Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de Scandium. Nous allons parler ici de l'histologie des ovaires. Ils sont au nombre de deux, bilatéraux, ont une forme d'amande, mesurant 3 cm en longueur et 2 cm en largeur. Mais leur taille varie en fonction de l'âge, en cas de grossesse, ou pendant le cycle menstruel. Ils sont rétro-péritonéaux et s'attachent au mésovarium. Les ovaires ont une fonction endocrine, caractérisée par la production d'hormones, ainsi qu'une fonction exocrine, caractérisée par la production des ovocytes. Les ovaires sont recouverts par une réflexion du péritoine viscéral, c'est ce qu'on appelle l'épithélium germinatif. Sous cet épithélium germinatif, on retrouve deux régions, le cortex ainsi que la médulla. Immédiatement sous l'épithélium germinatif, la première couche du cortex est l'albuginé, qui est une couche fibreuse et au niveau de laquelle on observe une rareté de cellules. L'albuginé va encapsuler l'ensemble de l'ovaire. Sous l'albuginé, le cortex sera formé par les follicules ovariens de taille et de stade de maturation différents. Un follicule ovarien est composé par un ovocyte entouré par une couche épithéliale de cellules folliculaires. Au stade initial, on retrouve des follicules primordiaux qui sont dormants. On distingue ensuite 3 stades avant l'ovulation, le follicule primaire, secondaire et enfin le follicule de De Graaf. On parle tout d'abord du follicule primordial qui est situé sous l'albuginé. Il n'a pas encore entamé la phase de développement, il contient un ovocyte en prophase 1 de la première méiose. Il a une taille de 25 microns en diamètre, dont le noyau est excentrique. Cet ovocyte est entouré, comme on l'observe, par des cellules folliculaires aplaties. L'espace qui sépare l'ovocyte de ces cellules n'est pas réel. En préparant en effet ces tissus pour l'observation sous le microscope, une des solutions utilisées provoque le rétrécissement de la taille de l'ovocyte. Les cellules folliculaires reposent sur une fine membrane basale appelée la membrane de Slavinsky. Principalement dans le monde francophone, on se contentera de l'appeler dans notre cours la membrane basale. Après la puberté, une vingtaine de follicules primordiaux sont activés mensuellement, dont un seul devient un follicule primaire. Le prochain stade, tout naturellement, c'est le follicule primaire. Il est plus grand et se situe plus en profondeur que le primordial. L'ovocyte, qui est toujours en prophase de la première méiose, augmente en volume pour atteindre 40 microns. Les cellules folliculaires entourant l'ovocyte forment une seule couche et deviennent cubiques comme on l'observe. La membrane basale est toujours présente à ce stade. On retrouve ensuite le follicule secondaire. C'est l'épithélium unifolliculaire ainsi que les cellules du stroma entourant le follicule primaire qui sont impliquées dans la maturation et l'évolution vers le follicule secondaire. Celui-ci est caractérisé par une plus grande taille, atteignant 200 microns, et aussi l'apparition d'espaces liquidiens ainsi que plusieurs nouveaux éléments. Tout d'abord, une teque interne formée par le stroma entourant l'épithélium folliculaire sera mise en place. Ensuite, nous aurons les cellules folliculaires qui forment plusieurs couches et se stratifient de manière concentrique, formant ce qu'on va finir par appeler la granulosa. Enfin, une couche homogène va séparer l'ovocyte des cellules folliculaires, c'est ce qu'on appelle la zone pellucide. À cette étape, le follicule est toujours au stade de prophase de la première méiose. Suivant le follicule secondaire, on aura l'apparition d'un follicule tertiaire ou bien préventral. Il ressemble au précédent en tout point avec une plus grande taille, pouvant aller jusqu'à 12 mm, et va accumuler un liquide commençant à former l'antrum. On remarque aussi les deux couches autour de l'épithélium folliculaire qui sont la teque interne très riche en cellules et la teque externe qui est fibreuse. Nous avons enfin le follicule de De Graaf, c'est le stade final du développement du follicule. Il est très grand, qui peut atteindre 2 cm. La plus grande part de ce follicule est représentée par l'antrum, qui est le résultat de la sécrétion du liquide folliculaire par les cellules de la granulosa. Il contient un ovocyte, dont la taille va jusqu'à 150 microns. Le follicule est toujours entouré de la membrane basale. En dehors de celle-ci, on retrouve les deux teques internes et externes. En plus de ces éléments, nous aurons l'apparition de nouveaux éléments. D'abord, une extension de la granulosa qui se projette vers l'antrum. On appelle cette projection le cumulus ophorus.
la couche la plus interne du cumulus ophorus et qui est au contact de la zone pellucine est particulière et on l'appelle la corona radiata. La corona radiata va entourer l'ovocyte 1 en prophase 1 et l'accompagne même lors du largage de l'ovocyte du follicule. Cette corona radiata est bien sûr à ne pas confondre avec la corona radiata du système nerveux central. Avant l'ovulation, le cycle cellulaire de l'ovocyte reprend avant d'être stoppé à nouveau à la métaphase 2 qui ne pourra reprendre qu'en cas de fécondation. On observe une rupture du follicule de De Graaf à l'étape de l'ovulation et va devenir hémorragique. Chez les jeunes femmes, on peut retrouver un grand nombre de follicules de De Graaf et qui peuvent rester à ce stade pendant plusieurs mois avant le passage aux étapes suivantes. Après la rupture du follicule de De Graaf, on aura un corps jaune qui est une glande endocrine temporaire. Cette glande va sécréter de la progestérone afin de préparer une éventuelle grossesse. Si c'est le cas, le corps jaune persiste pendant les 8 premières semaines, disparaît ensuite pour laisser le placenta prendre le relais dans la production des hormones stéroïdes. Si au contraire il n'y a pas de grossesse, parce qu'il n'y a pas eu de fécondation, le corps jaune stoppe la production d'hormones et devient progressivement un corps blanc qu'on appelle corpus albicans. Alors que le cortex est le site de la folliculogénèse, la médulla est surtout le lieu de passage des gros vaisseaux sanguins qui vont irriguer le cortex. La médulla peut être subdivisée en deux régions, une région parenchymateuse qui se déforme lors de l'évolution de la folliculogénèse et qui est formée par un tissu conjonctif lâche, ainsi qu'une deuxième région hilaire au niveau de laquelle on retrouve de larges vaisseaux sanguins et qui est de constitution fibreuse.